une nouvelle journée. Je commence par la mosquée, suivez-moi. Comme vous le voyez, je suis arrivée à la mosquée. Évidemment, c'est un lieu culturel, donc il faut mettre une tenue adaptée. J'ai pris tout ça avec moi. Et il faut mettre aussi un foulard sur la tête. Allez, c'est parti. Hello, nice to meet you. Welcome you too. Welcome to this mosque, Imam Muhammad Abdul Wahab Mosque, the biggest mosque in Qatar. It's something that's very important in any Muslim society. So inshallah, during this journey, we'll explain some of these things, and inshallah, it'll be beneficial. Inshallah. Hyper soft, le sol. The domes would help the sound. The moon. Okay, understand. I want to try. Okay. Hey. Hello. It's me. Okay. Wow. Ah ouais, non, mais ça marche trop. Wow. You hear the call. Allahu Akbar. Everyone lines up. 90 seconds. Okay. Millions. Chocolate. Allez, on enchaîne. Alors là, j'arrive à Al Bida Tower. C'est assez grand. Dans cette tour se trouve l'organisme qui gère toutes les infrastructures de la Coupe du Monde 2022. Donc il va y avoir 8 stades et je vais aller voir comment tout ça s'organise. Stadiums, basically all the infrastructure for the tournament, the training sites, and we'll welcome the 32 teams that are coming. Nice. This is the stadium for the final. It will host the final of the World Cup. Yeah. It will fit 80,000 spectators. It's my cinema. Je vais voir le dernier James Bond. Another factor sure to increase the tournament's audience and expand the game's global reach. Alors je suis devant le Education City Stadium. Évidemment, ça va être un stade de la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et puis c'est un stade un peu particulier puisque la France va y jouer contre la Tunisie. Allez, c'est parti, suivez-moi. On va voir ça. J'ai trop hâte. Alors, il y a Mbappé, ma plaisir ou pas? Numéro 10. Number 10, hein. Of course. Petit jacuzzi? Allez, go. Ça c'est un bon terrain de jeu. Il manque plus qu'un ballon et...
je vais répondre aux questions. Any questions? I will begin the match with Mbappé. Wow! I'm a VIP today, I'm a VIP. Il est beau ce stade. Il paraît grand, il fait 40 000, mais il paraît beaucoup plus grand. Enfin, je trouve que les tribunes sont assez proches de la pelouse. Et puis il va y avoir France-Tunisie ici. Donc forcément c'est top de pouvoir venir repérer un stade où dans quelques mois on va tous crier devant nos écrans. J'adore, j'ai envie de jouer là. Oh. C'est beau, punaise. J'ose pas. I can go? Yeah? Ok! Je vais faire un coup d'envoi. Et là, normalement, le stade va être en fusion. Je fais un coup d'envoi de ouf. Bon, c'est la fin de journée pour nous, on est à l'hôtel, les joueurs viennent d'arriver, ils sont en train de dîner et je les retrouve demain pour faire quelques activités avec eux et ça va être vraiment cool. Allez, bonne nuit, à demain.